Et bienvenue sur arcitutos.fr. Aujourd'hui, nous nous retrovons pour un déballage colis chez notre partenaire Banggood. Le projet du moment, c'est un drone de type DJI F450. Voilà, un drone de 45 cm d'envergure sans les hélices. Donc l'idée, c'est de construire un projet de A à Z pour avoir un drone vidéo. Voilà, donc la platine F450 de chez DJI convenait assez bien pour le projet. Donc on en a imprimé une, je vous donnerai le fichier dans la description et sur l'article de notre site internet. Donc on reçoit ici tout le matériel pour pouvoir assembler le drone. On a le châssis qui est imprimé, qui va vous coûter une petite dizaine d'euros, vous voyez, avec les pieds. Dans le fichier, il y a plusieurs tailles de pieds différents, vous pouvez mettre du coup une caméra en dessous. On reçoit les hélices, ce sont des hélices 10 pouces en 10 par 4,5. On en a pris deux couleurs différentes pour bien dissocier l'avant et l'arrière. On reçoit du câble électrique pour pouvoir câbler nos différents matériels électroniques. On reçoit ici une mini caméra SQ11, là, une toute petite caméra de 2 cm. Voilà, donc on va vous déballer ça. Vous avez quelques accessoires dont une pince. Voilà, donc une toute petite caméra qui filme en 720, il me semble, en 720p. Vous avez ici en 1280x720 ou en 1920x1080 en HD, en 30 fps. Voilà. Donc l'avantage de cette caméra, c'est qu'elle est toute légère, elle fait 2 cm sur 2 cm sur 2 cm. Elle doit peser quelques grammes, donc l'avantage, c'est que ça va pas vous lester beaucoup le drone. Vous avez à peu près 100 minutes d'autonomie avec la batterie qui est intégrée dedans, voilà. Donc la petite caméra ici. On a ici un module Bluetooth qui va nous permettre de transmettre les informations au drone par le biais d'une application téléphonique et de lui donner une carte de vol. On a ici un module GPS qui va nous permettre de localiser le drone dans l'espace, voilà. Donc ça va nous permettre de faire des return to home, donc de pouvoir ramener le drone à la base de décollage, ou de lui donner des plans de vol aussi. Donc c'est avec le GPS que le drone va savoir à quel endroit aller. Voilà, on a ici des variateurs, on a 4 variateurs en 30 ampères de chez Redstar. Voilà, des PG30, ça marche en 3 et 4S. Donc le drone, lui, va voler en 3S pour le moment. On a ici des moteurs brushless, des 2212 en 920 kV. Vous avez en counterwise et en anti-counterwise, donc horaire et anti-horaire, vous en avez deux de chaque. Donc c'est des moteurs qui marchent en 2 à 4S. Ce sont des moteurs déjà assez grands en taille. Donc on a deux moteurs de chaque type, voilà. Ensuite, nous avons ici la carte de... Alors attendez, ici c'est le PBD, c'est la carte qui dispatche l'électricité au niveau des variateurs. Voilà, donc ça va permettre au drone d'automatiquement se stabiliser en décidant de quel moteur faire tourner plus vite que l'autre. Voilà, vous avez ici l'Omnibus F4 version 3 qui marche avec Betaflight. Donc Betaflight, c'est le logiciel qui vous permet de programmer le drone et de le paramétrer un peu comme vous le souhaitez, soit avec un pilotage agressif, soit avec un pilotage stabilisé. Voilà, et on a ici deux petites barres de LED, une LED arrière rouge avec buzzer et une LED avant blanche pour pouvoir localiser le drone visuellement. L'idée, c'est pour l'instant de voler à vue. D'ici peu, on va y intégrer une caméra FPV, un petit module 3 en 1 comme on a pu mettre dans le tank ou dans d'autres RC qui coûte une petite vingtaine de dollars. Et avec le masque, ça va vous permettre du coup de recevoir l'image en caméra embarquée. On reçoit ici aussi un petit récepteur pour les FlySky FSI6. Donc la portée n'est pas fantastique. On m'a dit que les portées étaient meilleures chez FR Sky. Voilà, donc pour le moment on a des radios FlySky, donc on a pris un récepteur FlySky. D'ici peu on décidera de prendre une radio avec une meilleure portée. Voilà, donc au niveau du projet, c'est un projet que je monte en parallèle avec un autre ami qui se construit le même drone. On est aidé par une troisième personne qui, lui, est spécialisée dans les drones et va nous donner toutes les informations et nous aider à régler les machines. Voilà, donc il n'y aura pas de vidéo spéciale de setup et de programmation de ce drone pour le moment, parce que personnellement, j'y connais pas grand-chose et on va profiter de l'aide de notre ami pour bien avancer sur le projet. Voilà, donc vous avez ici, et vous aurez dans le descriptif de la vidéo et sur notre site internet, vous avez tout le setup pour construire le drone.
Pour le programmer, je vous conseille, si vous assemblez un projet dans le genre, pour le programmer, je vous conseille quand même de vous orienter vers quelqu'un qui s'y connaît bien et qui va vous donner les bonnes infos pour le programmer. Voilà. Donc tout ça, vous le retrouvez chez Banggood. Il y en a pour $175 au total, comparé à un drone qui vaut 1000-1500 € dans le commerce en fonction des options. Donc ce drone aura les mêmes options qu'un DJI, dernier modèle, le Phantom 4 par exemple, ou que le Mavic Pro. Voilà, donc pour $175 hors télécommande et hors FPV, vous avez un drone qui sera programmable et pilotable avec carte de vol, sera vraiment efficace et vous pourrez faire des vraiment belles vidéos. Donc la partie caméra, vidéo, prise de vue sera avec cette caméra là. En attendant de mettre une GoPro, on a une GoPro Hero 2 qu'on va pouvoir installer en dessous du drone. Ce sera une étape suivante. Pour l'instant, on va passer à l'assemblage de ce drone en off et on vous mettra des photos sur Facebook et sur Instagram. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toutes les infos sur notre site internet et sur la description de la vidéo. À bientôt, bonne journée, bye.